La fabrique du mensonge est-elle devenue une collection documentaire? Karim Rissouli, oui. Il y a 2 ans, nous avions fait une soirée qui portait déjà ce nom. L'idée est de proposer cette fois-ci 4 numéros. Que voulez-vous dire en intitulant l'émission de ce soir Les Fake News au pouvoir? Nous souhaitions nous intéresser à 2 leaders populistes qui ont été, ou sont, des adeptes des fake news, des fausses informations, dans la conquête et dans l'exercice du pouvoir. Le premier sujet concerne Donald Trump, dont des partisans dénoncent un complot ourdi par les démocrates et Hillary Clinton. Si est-il un coup de projecteur sur l'armée digitale que constituent les 3 millions de comptes canons, affiliés à des pages Facebook? Est-il une sorte de secte de complotistes, née dans les tréfonds du web, dont les idées fantaisistes ont trouvé des relais visibles sur Internet? Canon signifie Q anonyme, Q étant le fameux cerveau de cette communauté où tout le monde doit rester anonyme, Anonymous. Selon eux, l'ex-candidate démocrate aux élections de 2016, Hillary Clinton, note de la rédaction, est à la tête d'un état profond, c'est-à-dire d'un groupement qui dirige dans l'ombre le pays et le conduit à sa perte en faisant la promotion de la pédophilie. Si Donald Trump peut perdre les élections et conteste les résultats, il aura derrière lui cette communauté toute puissante. Que cherche à démontrer le second sujet consacré au Brésil? Dans ce pays, l'homophobie tue quelqu'un toutes les 17 heures. Pendant la campagne présidentielle, Jair Bolsonaro, le président du Brésil, note de la rédaction, et ses 3 fils ont inondé le pays de fake news concernant les populations LGBT. Le député Jean-Willy, ouvertement homosexuel, a été contraint de démissionner et de s'exiler en Espagne, où nous l'avons rencontré. Tous les dimanches, à partir de 18h35, vous êtes à la tête de ces politiques et ces politiques, la suite. Quel changement avez-vous opéré à la rentrée? Avec nous, il y a 3 nouveaux visages, 3 femmes, et une nouvelle rubrique, le 1/4 d'heure américain, qui durera au moins jusqu'en janvier. On vous s'est engagé dans le domaine social, avec l'association Viens voir mon taf. L'êtes-vous politiquement? Je n'ai jamais été encarté. Je viens d'une famille où ma mère était dans l'humanitaire du temps de la Roumanie de Ceausescu. Pour qui je vote, cela ne regarde personne.